Bonjour, je suis le dodo. Vous me connaissez pas? Oh, je le crois pas. Je suis l'oiseau dodo, votre nouveau petit héros. Zorro des écolos, je suis presque le plus beau. Ah, te voilà. À quoi tu joues? Ben, je te cherche partout. La fourmilière part au pique-nique. Tu es invité. Chut, silence, pas si fort. T'es bizarre aujourd'hui. Alors, tu viens ou pas? Impossible, je bosse. Mais c'est le cas de le dire. Sans rire, qu'est-ce que tu fais? Je chasse. J'ai fabriqué un piège. Mais qu'est-ce que tu comptes attraper avec ça? Des hommes. Quoi? Chut, ils ont exterminé mon espèce. Alors j'ai décidé de me venger. Je vais tous les capturer. Ils verront comme c'est agréable. Mais il y en a des milliards. Et il ne passe jamais personne sur ce vieux chemin. Je sais ce que je fais. Si tu le dis. Bon, tu m'excuseras, hein, il faut que j'y aille. C'est ça. Laisse-moi travailler. Hello, petit volet. Et hop, dans le panier. Par ici, gros pépère. Oh, toi, la manie, viens pas m'empoisonner la vie. Quel spécimen extraordinaire. Et hop, à la casserole. Je l'ai. Oh, je l'ai. Mais enfin, c'est pas possible. Ils évitent tous mon piège. Il doit se voir. Où est-il? Salut. Ben, c'est quoi ce gag? Il y a des chasseurs dans la forêt? Non, le piège, c'est moi qui l'ai mis. Pour t'attraper toi-même, c'est idiot. Mais non, pour attraper des hommes. Attraper des hommes, tu plaisantes, t'es gros comme un dindon. Et d'abord, t'es qui, toi? Un dodo. Oh, mais vous avez disparu. Moi aussi, je suis d'une espèce menacée. Les koalas et les hommes nous protègent. Ah bon? Bah oui, parce que nous sommes très mignons et que tous les enfants nous adorent. Ça te plairait que je te raconte mon histoire? Dis toujours. Alors, voilà. Je viens d'Australie, où tous les habitants m'aiment énormément. Je suis un symbole national là-bas. Tu sais pourquoi? Non. Eh bien, d'abord parce que je suis un petit marsupial adorable. Un vrai nounours en plus vivant. Ensuite, parce que je ne fais de mal à personne. Et enfin, parce que j'adore la compagnie des hommes. Un animal comme moi, aussi gentil... Avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, les touristes viennent de tous les coins du monde pour me voir. Super, dis donc, n'est-ce pas? Évidemment, tant de qualités ne vont pas sans une certaine fragilité. C'est pourquoi mes amis, les hommes, doivent me protéger. Le développement des villes est très mauvais pour moi. Les autos, la pollution menacent mon équilibre personnel et celui de mon habitat. Et quand j'angoisse, je deviens vulnérable à une maladie qui peut détruire toute mon espèce. La chlamydiose. Au début du siècle, les koalas se comptaient par millions. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 200 000. Waouh! En plus, je me nourris exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Or, ces arbres tombent par milliers sous les tronçonneuses de la civilisation. Pour compenser, les savants ont mis au point un biscuit constitué de mes feuilles préférées. Ces types me nourrissent. Sympa, non? C'est comme les défenseurs de l'environnement. Ils ont lancé une souscription nationale de 5 millions de dollars pour financer des programmes de recherche et améliorer ma protection. Alors, tu vois, j'ai encore de beaux jours devant moi. Donc, si les dodos vivaient aujourd'hui, et s'ils étaient aussi mignons que nous, les koalas, ils n'auraient rien à craindre des hommes. Ça te rassure? Beaucoup. Bon, maintenant, si tu voulais être vraiment mignon, tu m'aiderais à descendre de là. Et j'espère que ça te servira de leçon. Je ne savais pas tout ça. La prochaine fois, n'hésite pas, demande-moi.